Withdraw. The President, please be seated. Le Président. The court is now back in session. Mr. Co-Prosecutor, you have the floor now. La parole est au co-procureur. And please be brief, Mr. Co-Prosecutor. Veuillez être concis. Thank you, Mr. President. I will try to respond to the defense positions as quickly as I can. When I left off, I had just responded to the concept that was advanced by the defense that they had been prejudiced either by the original severance order as it causing confusion as to how to proceed in the trial, or by the Supreme Court Chamber's decision, and I wanted to make clear that we are in no way in a position that we cannot proceed at this time because of this fundamental purpose of the original trial of building a foundation that would support all crimes. Let me turn now to the arguments that were advanced by Mr. Coppi, specifically on the representativeness issue, which, as I said, is the main area of disagreement of the parties as to what exactly should be included in the trial. Mr. Coppi argues that our proposal is not representative because it does not accurately or fairly represent the revolution that his client was attempting to implement son client in this country. Dans ce pays. And I believe he's missed the actual test. We've heard from the Nunchea defense throughout this trial complain réel that this is a political Nunchea trial. Now it seems that the Nunchea defense wants to turn this into a political trial en faire un where what is judged is the politics of the regime les rather than the criminal issues in the indictment. Les actes criminels figurant dans so when this court considers representativeness, it is not that this trial needs to be a form on the Communist Party of Kampuchea. When we talk about representativeness, it is to select crimes, the crimes from the indictment that are most appropriate to try against these accused, that fairly represent the criminal charges of this indictment. And the reason S21 is advanced is very simple. C'est pour une raison bien simple. It was the most important prison. It is a prison from which prisoners from every region of the country, every organization, the military, the provinces, the ministries, all people were subject to this prison, unlike other security centers. And it is a prison that was literally within a mile of where these accused were located, a prison that reported directly to them. It is at the core of the criminal charges against these accused, and that is a fundamental consideration in deciding the scope of the trial. Au moment de fixer la portée du procès. They also argue that S21 is not enough, that there needs to be more. There needs to be more crimes added in order for this to be representative. We disagree with that position. Nous sommes en désaccord. We believe S21 is sufficiently representative. Est suffisamment and let me say here in response to arguments that have been made by all the teams par toutes les équipes de défense, that what the Supreme Court selon lesquelles chamber decision requires la is that suprême the chamber make an effort a rendu for the trial to be reasonably representative. À la chambre d'assurer une representativité it certainly will not raisonnable be possible, we believe, for pour nous, it to be completely or perfectly representative. Jamais être entièrement ou parfaitement given representatif, the circumstances, the effort that must be made is to find compte tenu des circonstances, a trial that is reasonably representative. Un procès qui soit and unfortunately, that means that we cannot, in our position,
We cannot pour nous, include cela veut dire qu'on ne pourra inclure l'ensemble des éléments de l'acte d'accusation that actuel. Is obviously something that is painful to all of us, cela est but douloureux it is the reality pour nous tous, of the situation that we all la face. Réalité de la présente situation. However, if the chamber toutefois, disagrees with us si la Chambre and agrees ne souscrit pas à notre with Defense Counsel et rejoint that S21 la défense itself is pour not dire que S21 enough represent, to satisfy the representation issue, pour satisfaire there are aux critères other options de représentativité. Il existe d'autres possibilités que pourrait envisager la Chambre, the à part celle consistant two. À juger l'ensemble de we do not l'affaire think 002. More than S21, nous ne pensons pas qu'il faille ajouter davantage que S21, mais il n'est pas nécessaire d'inclure tous les chefs d'accusation. Mr. Carnavas has pointed out to you that in one of our filings, we proposed some additional sites. Nous avons proposé des sites supplémentaires. One site alone, that would the trial chamber could look at it if it believed it needed to add more than S21. Si elle estime nécessaire is the Tram cooperatives. C'est la coopérative and de I raise that particular crime site. Je mentionne for a couple of ce reasons. Site de crime pour First, plusieurs raisons. Premièrement, Mr. Coppi says that Coppé we need to have a crime site affirme to see where the policies of the revolution were implemented. Choisir des sites de crime the court pour may remember that Tramcock district was recognized by the party leadership a été as one of par the les three du parti model comme districts l'un of des Democratic Kampuchea. Du Kampuchea démocratique. Souvenons-en. Therefore, this is a crime site that even in the Nunchea Defense's position has been endorsed by the party as one that operated according to the principles of the Communist Party of Kampuchea. Agissant conformément aux principes énoncés par le PCK. The allegations in this crime site are j'en fairly broad. Aux allégations ayant trait à ce site de crime. Elles sont the allegations in the closing order, dans l'ordonnance paragraphs de clôture, 304 je 306 304 concern the influx and treatment of il evacuees and new people in that d'évacués district. Et de nouveau dans ce district. Paragraphs 307 paragraphe to 311, 307 à 311 deal with forced labor cooperatives les questions du travail and forcé, lack of des freedoms. Coopératives et du manque de liberté. Paragraphs 312 to 313 address lack of food, starvation, and health problems. De famine et de problèmes de santé. Paragraph 314 addresses forced group marriages in that district. De mariages forcés dans paragraphs ce district. 315 to 318 relate to the treatment of enemies and the Krang Tachan Security Center. Paragraphs 319 to 320 concern treatment of Law Nol officials, Cham, Vietnamese, and Khmer Krom. And paragraph 320 deals with Buddhism and disrobing of monks in that district. Now, in making our proposal to you, we had to make choices. Pour formuler une proposition, we evaluated nous avons dû effectuer what was un choix. A most important nous and what could be done in the most efficient qui nous semblait time. Le plus important et ce qui pouvait être fait but this is an option that is available to the dans court un délai raisonnable. If it believes it needs si to add more than S21 ajouter davantage and if that were the case S21, we would certainly respond to you une option qui with a plan et le cas for the expeditious nous trial of that présenter crime un projet site pour juger de façon prompte ce site de crime également. The other issue that I wish to respond to and with respect to the Nunchea team concerns their responses à la défense to Nunchea the à présent. Trial chamber's question as to concernant additional witnesses or documents à la question that de la would be needed. Sur le point de savoir quels sont in de fact, I will et témoins make this comment for the Kyusan Pan team as well. Mon commentaire both vaudra of them aussi pour la défense said de Kyusan Pan. Dans les deux cas, la défense a dit être dans la capacité de répondre précisément to address this issue. Et avoir besoin de plus de temps I would simply pour ce remind, faire. The chamber that je rappellerai this exact question was chose. Asked of all the parties, including parties, the Kyusan Pan and Nunchea teams, back in August of last year. Au mois d'août de l'année dernière. They were asked
what additional witnesses they would need, what additional evidence would be needed if besoin, S21 was added. There was a lengthy period of communications with the senior legal officer, the result of which is a document, E236, a document that respects or collectively indicates the party's responses to that question. Les réponses des and parties in paragraph à cette question. 7, the QSIMPAN team advised that it had no further individuals to propose qu'elle ne souhaite plus proposer regarding de these additional crime sites, including S21. Crimes supplementaires, the Nunchea team provided a list of 31 people, which I mentioned, referred to the other day. J'en ai parlé so jour. I am somewhat surprised donc by the responses from counsel that they need more time to answer this question elle a besoin de plus de temps as pour it was asked dès lors que la question avait déjà été posée et avait déjà reçu une réponse over, de leur part at least 6 months ago. Il y a environ 6 mois. In any event, the court should be directed to this document because cause, this was the result of a month, at least a month's effort and consultation with the parties specifically on this question of whether any additional witnesses would be needed on S21. Turning quickly to the positions of the Inksari team. À la position de la défense de l'Inksari. As I mentioned, comme je l'ai dit, Mr. Carnavas spent much of his argument a consacré une bonne part not addressing the questions that the trial chamber had raised, chambre, but rather making an argument attacking the validity of the Supreme Court chamber decision la validité de l'arrêt de la and Cour seeking suprême. To put blame il a tenté on who is responsible for this issue. Trouver les responsables, les fautifs. I would simply say first that premièrement, this is not productive, this is not ceci helpful n'est pas to this court. Ceci this court n'est guère is looking utile. For guidance in response to these questions as to how to go forward. I am not going to spend any time responding je ne vais to pas the assertions that we are to blame for this problem or aux who is to blame. Selon lesquelles nous serions fautifs, the suggestion that comme this quoi, court can fautifs. Simply disregard the Supreme Court chamber's decision que because cette pourrait ignorer they are acting you to act ultra vires. Cour suprême, does not merit au motif any response. Que celle-ci inviterait la présente chambre à outrepasser ses compétences, cette idée I would simply ne mérite note aucune considération. That Mr. Carnavas makes much Maître of Carnavas the issue of the representativeness requirement not being in our statute and our rules. En what que is in ça our rules, I would just remind you, je vous is a requirement que dans that severance il y a be in the interests que la disjonction se fasse dans l'intérêt de la justice. And the Supreme Court chamber has now made an interpretation of what that means, le sens and that interpretation relies on analogous precedent and rules from the ICTY. We all recognize that there are some differences chacun between the ICTY rule and our rule. Du TPIY et les nôtres. This is an interpretive guide il s'agit for the court d'une interprétation in determining how to apply the interests of justice requirement in our rule. Le critère que constitue l'intérêt de la justice. The other issue that Mr. Carnavas has raised Maître Carnavas a soulevé un autre is point. That he seeks certainty. Il voudrait obtenir he asks this une chamber certitude. To be definitive about what will happen de donner une réponse with the claims, any claims that are severed. Ce qu'il adviendra the suggestion that in any way we have proposed dismissing those claims is incorrect. L'idée que nous avons proposé as I stated the other day, comme je l'ai dit that jour, is not a part of the authority that is provided under Rule 89. Au titre de la just so 89, we are clear, cela what we are possible. Proposing is that the court ce que nous proposons, sever c'est que la chambre some of these crimes and charges, not dismiss. Et que certains chefs d'accusation soient visés par cette disjonction et non pas this court decides to continue with the notion of a series of trials, que la chambre the Supreme Court chamber decision does not require you to set a plan. If you go for what we have called option B,
which is to have proceed on the assumption that there will be only one smaller trial and to make that representative. You're not required to have a plan for other trials because the assumption is that that prospect is intangibly remote. That does not mean that we should not consider what we do with the severed charges. And our position and suggestion on that is fairly straightforward. If the court does pursue option B, which is one trial, and rather than a series of trials, our position is that the severed charges should be stayed and that the court should schedule a hearing following the issuance of its judgment in the trial. At that time, this court can consider all the relevant factors and make a decision on that time on how to proceed with respect to the severed charges. Des chefs d'accusation écartés par une that would include, of course, an evaluation autrement of where we are with the health or fitness of the accused, envisager la the position of the court, and a multitude of factors that the court could look des at. Accusés, and I raise this issue also because the QSAMPAN team has said, si j'en parle, c'est parce que la what about me? I am more healthy. De son propre client, arguant qu'il était en meilleure and santé que les autres. We cannot completely discount the possibility on ne peut pas exclure that when judgment is reached in the first trial, qu'après un jugement dans le premier two procès, of the accused may not be deux fit des accusés ne soient one plus aptes maybe à être jugés, tandis qu'un autre bien. We simply do not know. On n'en sait rien. But that would seem to me that an appropriate time to table the issue mais of how to proceed on severed charges would be immediately following a judgment issued by this court in the first trial. Un jugement dans le premier procès pour décider de ce qu'il adviendra des chefs d'accusation provisoirement écartés par une disjonction. And turning to the positions of the QSAMPAN defense. J'en viens à la position de la défense de QSAMPAN. I don't think that this court will obtain much benefit in its decision from their positions. The most telling statement that they made je ne sais to pas me s'il y a beaucoup à retenir was, quote, de ce qui a été dit, whatever you decide, we will be prejudiced. Whether you que vous pursue décidez, nous the entire un case to que vous jugiez l'ensemble or de l'affaire, adopt mini trials, ou bien we que are vous prejudiced. Adoptiez des mini-procès, nous subirons un préjudice. Voilà ce que nous dit la défense de QSAMPAN. So, to me, from our perspective, the QSAMPAN team vue, has declined, respectively declined, not to give this court much guidance on the issues that it has asked regarding the scope à la chambre of this sur trial. La question posée concernant la portée du procès. And I must also note that they have, in their submissions, made many complaints dans ses observations, elle a présenté différents clients, griefs right to a speedy trial. Par rapport au droit and de son client à un procès certainly rapide. It is our view that given pour all nous, the obstacles we have proceeded as quickly as we can here, de tous les I would note nous avons that QSAMPAN himself was in the hospital lui-même a été this month. Ce mois-ci. But what I wanted to observe for this court is at the same time that the QSAMPAN defense is asking for a speedy trial, suggesting that they should be severed and released, et en même temps, elle at the same time fasse l'objet d'une disjonction et soit remis that they en are saying this trial is not proceeding quickly enough, elle dit donc que le procès ne va pas they are vite, asking mais en for même more temps, time to prepare for S21. Pour se préparer à l'inclusion de they asked to defer elle the hearing of their character witnesses just a few days ago. Des témoins de personnalité. La demande they a cannot été faite have it il y a both ways. Jours. If they want elle ne saurait to avoir proceed le beurre expeditiously, et l'argent du beurre. Si elle veut que then les choses aillent rapidement, we will proceed expeditiously. Eh bien, nous they agirons themselves rapidement. Are regularly making requests la défense elle-même to delay présente the régulièrement that is inconsistent with the position they are now taking, de le that they cela have been prejudiced, and that the right to speedy comme trial elle a has subi been un violated. Et son droit à un procès rapide a été violé.
There are many other issues that were raised, d'autres questions qui ont été soulevées, many that have nothing to do with bon the matters you need to decide. Rien à voir avec I will not respond at this time to the merits of the Cusumpan proposal Je ne passerai that pas he de be temps released, placed on house arrest, and the case against him severed. En liberté, we will respond to that if the Cusumpan team makes a motion. Seems to me that this is a serious matter that needs to be made in a motion to the court and responded to by the parties, and is le cas échéant, unrelated la to the matter presently before you, mais which en tout is cas, the scope rapport of avec the future de cette trial. Audience, à savoir la portée du procès well, thank à you venir. For the opportunity to respond. Merci d'avoir pu répondre. Our observations on the defense J'en ai terminé positions today. Concernant vos observations sur la position de la défense. The President. Thank you. Le Président. Mr. Co-Prosecutor, Merci now I hand over to the legal lawyer for the civil parties. Au co-avocat principal pour les parties civiles. To respond. Or reply to the responses by the three defense team. You may proceed. Aux trois équipes de défense. Counsel Pik-Ang. Maître Pik-Ang. Good afternoon, Mr. President, bon après-midi, Your Honours, fellow juges, members, chers confrères, of the defense teams and colleagues, I would like to reply to a few issues raised by the defense team. The first points I would like to respond Premier point. To the collective stance of the defense teams Toutes les équipes that de défense they do not envisage that there should be any severance of the whole case. They want the case to be tried as one. Elle and I would like to respond to the observation J'aimerais made by the defense team répondre à la défense. As he quoted his client saying that if the case was to be severed, then only portion of the history would be brought up to be heard in the court. The entire history of Cambodia would not be reflected through the proceedings of this court. And he further stated that this court is to find the truth, is not only meant to bring up only a few or portion of the history. And it is worth mentioning that this court is not a is not mandated to find the entire history of Cambodia. Or, il faut préciser que cette chambre n'a pas pour vocation nécessairement de faire toute la lumière and sur toute l'histoire du Cambodge. The court that we are now attending cannot address the entire history of Cambodia. And du of course, during the hearing, the accused would be given the opportunity to tell the truth, which is part of the history that is beneficial to the younger generation of Cambodia. So the assertion by the defense teams that any severance of the case would not reflect the reality of the history of the Democratic Cambodia or the period was not appropriate. And in addition, the defense team for Mr. Nguyen Chia also added that even though there was a severance of the case, the defense team had actually mentioned a number of facts as well. He discussed the roles of the accused, and we also dealt with the population movement, phase 1 and 2. As a matter of fact, the chamber heard those facts. And we believe that through additional testimony as well as evidentiary documents, we will be able de to tell de nouvelles preuves the truth of the period. Certainement de découvrir la vérité de cette période. And in response to the observation by the defense team for Mr. Kyu Sampon, which
refers the severance of the case to the potential delays of the entire proceeding. I am of the opinion that à mes yeux, any possible delay would not be the result of Mr. Kyu Sampon's intervention, but it was because of basically the health status of the co-accused, and I believe that the chamber has reasonable basis to decide on the severance based on rule 89 bis of the internal rule. Et ici, la chambre but the chamber will of course have the discretion to decide as to what scope of the proceeding to be heard in the first phase. And as for another point, which I got through the translation, and I don't know whether or not I got it right from Counselor Carnavas, he asked whether or not the civil party lawyers did consult with their clients concerning the representability of the case being heard. If I understood Mr. Carnavas correctly, I stand to be corrected, but I would like to emphasize the stance of the defense of the civil party lawyers that we have our internal working procedures among the civil party lawyers, and we worked very closely with the civil parties and with our fellow colleagues, and I don't think that that needs to be raised into debate or discussed in this court. And I believe that we have our own strategy to defend the interests or represent the interests of our clients. And I will not question whether or not the defense lawyers have consulted or discussed with his client, because it is entirely internal matters of each team. And in response to the observation made by Mr. Michael Victor Copé, en réponse à Maître Copé à présent, who asserted that S21 should not be the fact incorporated in the trial, and it does not necessarily reflect the representation of the entire case. Au motif que cela ne constitue pas un site representatif. Si l'on prend the prisoners detained and executed at S21 came from all walks of life in the period. They were ordinary people as well as senior officials in the government at that time. For example, one of our civil parties, Mr. Chum Mei, was a worker at that time, and he was also in prison at S21. And if we look at the geographical representation of the prisoners in S21, they were from different corners of the country. So I think that the inclusion of S21 is clearly a representation. And we can also examine other evidentiary documents, particularly the living witnesses and civil parties who may bring along with the story as well as other documents to testify before this court. And Mr. Carnavas also mentioned that certain fact has already been adjudicated and it should not be brought up again. Please bear in mind that in case 001, Deutsch was the only accused. But in case 002, there are co-accused. And we cannot assume that the facts that has already been adjudicated could not be brought for discussion in the next trial. Pourrait faire l'objet d'un examen dans un prochain procès. Judge Claudia Fens mentioned that the trial of this nature may last up to 10 years or so, taking into consideration the advancing age of the accused. Compte tenu de l'âge avancé des accusés.
If it continues up to 10 years or so, we may run the risk of not having any verdict. So there might be a question why we should establish this court in the first place. Pourquoi avons-nous créé ce tribunal, en premier lieu? The civil parties who are participating in this proceeding is to claim for the les parties civiles justice. So they want to see justice done for them. So we want actually to see the verdict to be rendered by the chamber. So even if there is anything happen, for example, the death of the accused, at least one verdict was rendered by the chamber so that the victims will be able to receive some sort of justice. They know that what was right and what was wrong during the period. And in that sense, they would heal the wounds of their past, and at least partially the victims could attain some justice. De penser, en quelque sorte, les plaies des victimes. The defense team seems to have articulated that there should not be any severance of the case at all. Ne faut pas disjoindre le dossier, les poursuites du dossier. And the, according to the decision of the Supreme Court chamber directing the trial chamber to revisit the mode of severance of trial of case 002. So this is the mission of the trial chamber. Voilà donc, and it is the discretion of the chamber to decide whether or not to sever the case or not. And I believe that si the trial will have to go forward no matter how. Et le procès devra aller de l'avant. And I simply support the points raised by the co-prosecutors. And I believe that we have to decide on the appropriate representability of this case so that it is feasible, viable, and substantial for the parties as well as the victims. Durable et qui offre une résolution pour les victimes et les parties. On a separate point, concerning the reparation, which was also touched upon by the defense teams as well, sur la question des réparations, I have my esteemed colleague Simon O'Fort, who will enlighten the court on this point. But I would only like to pick up only one point from the defense team of Mr. Nguyen Chia, who said that we could not eat a cake and have it too. And I would like to make my point on this as well, on the viewpoint of the civil parties. We civil party have many people, and we have one slice of cake. We will share with each other, no matter how small it is, but we will have to share. But I don't want to elaborate further on this point, because I will leave it to my esteemed colleague, Madame Simon O'Fort, who will take the floor from me. The President, thank you. Yes, you may proceed, but please be reminded that you should be brief on each point, and please go straight and to the point. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je ne pense pas que je serai très longue. I don't intend. Je voudrais simplement faire quelques observations et le moins qu'on puisse dire, en tout cas pour débuter mes observations, c'est que la décision extraordinaire de la Cour suprême suscite des positions assez extraordinaires aujourd'hui dans cette enceinte. Et la première chose extraordinaire que j'ai entendue aujourd'hui, c'est deux équipes et demie de défense en train de nous expliquer, en faisant un très grand écart, qu'il faudrait aujourd'hui envisager la totalité du procès, kind of alors qu'au mois d'octobre 2011, et M. le procureur l'a souligné,
Certains allaient même jusqu'à dire que la disjonction était la meilleure des décisions de la Chambre. Je trouve intéressant d'entendre aujourd'hui qu'on nous explique qu'en définitive, il faudrait examiner la totalité du procès. J'ajouterai que pour le moins, la défense de Kieu-Sampan est un peu en difficulté puisque je crois avoir entendu, et d'autres aussi avec moi, que ni la disjonction ni le jugement total du procès n'était une bonne solution. Je peux le concevoir d'un point de vue de défense d'un accusé, c'est vrai qu'on préférerait ne pas être jugé, mais je crois quand même qu'il faudra choisir une des deux solutions. Lorsque en octobre 2011, les procureurs ont présenté, lorsque la Chambre a décidé de disjoindre, en définitive, nous étions tous d'accord sur le fait qu'une disjonction était possible. Et la défense n'a rien dit d'autre que le fait qu'elle soutenait parfaitement cette disjonction. Je crois qu'il faut se demander quelles sont peut-être les raisons pour lesquelles aujourd'hui la défense adopte une position diamétralement opposée. Et je crois qu'en fait, ces raisons ne sont pas à chercher dans des raisons juridiques. Je crois que la raison n'a rien de juridique. Et je crois que la raison nous est donnée par la position de M. Kieu-Sampan. C'est très simple. Il y a deux accusés qui sont très fatigués, qui ont du mal à assister aux audiences, dont l'aptitude est remise en cause par leurs avocats régulièrement et qui se disent évidemment qu'envisager à nouveau la totalité du procès, c'est une possibilité de ne jamais être jugé. Et de l'autre côté, il y a M. Kieu-Sampan, qui se porte bien et qui a très bien compris qu'il risquait, lui, d'être jugé seul, quelle que soit la disjonction ou pas du procès. Et c'est évidemment, et on peut le concevoir, un problème pour lui. Si deux équipes de défense soutiennent aujourd'hui l'absence de toute disjonction, c'est uniquement par stratégie, en espérant ne jamais être jugé. Je dirais juste quelques mots supplémentaires sur les motifs qui ont été évoqués. J'ai entendu notamment que M. Nunchia considérait que le génocide était essentiel dans ce procès. C'est pour le moins surprenant. Je partage son avis en ce sens que je pense, et je l'ai dit hier, que les qualifications juridiques des crimes ne pouvaient pas faire l'objet d'une disjonction. Je suggère donc à la Chambre, pour faire plaisir à M. Nunchia, de faire droit à ma position, qui est juridiquement fondée. Il ne faut pas, effectivement, prononcer de disjonction sur la qualification des crimes. Et le génocide devrait rester parmi les choses qui sont évoquées dans ce procès, tout comme les persécutions religieuses, etc. J'ai entendu également un argument selon lequel il fallait respecter, pour les accusés, la possibilité d'avoir un procès dans un délai raisonnable. J'avoue que j'ai du mal à comprendre si le délai raisonnable c'est d'avoir une disjonction, ou si c'est de juger la totalité du procès. Je n'ai pas très bien compris le lien entre l'argument et la conséquence. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que le procès dans un délai raisonnable, ce n'est pas le privilège des accusés, c'est aussi un droit des parties civiles, et c'est comme ça que nous raisonnons depuis le début en ce qui nous concerne. J'ai entendu aussi la défense dire que si vous décidiez d'accepter S21 dans le procès, les accusés allaient souffrir de l'incertitude qui était restée sur le champ de ce procès. Là-dessus, je dirais que cette demande sur S21 est ancienne, 16 mois maintenant. Il y a eu des discussions récurrentes sur le sujet. Et nous avons tous en tête depuis le début que S21 pourrait être inclus dans ce procès, ceci d'autant plus que la Chambre elle-même nous a dit depuis le début
qu'elle se gardait la possibilité d'étendre le champ. Donc ce n'est pas une surprise, ça ne porte préjudice à personne. Et tout le monde a préparé son dossier en tenant compte de cet élément particulier. La deuxième chose extraordinaire que j'ai entendue aujourd'hui, c'est à propos des parties civiles. Je suis ravie de voir l'intérêt tout à fait exceptionnel que portent soudain deux équipes de défense aux parties civiles. Je souscris totalement aux commentaires de mon confrère Pik Hong. Je ne crois pas qu'il appartienne à un quelconque avocat ici de nous demander des comptes sur la façon dont nous avons consulté les parties civiles. J'ai entendu les avocats de la défense évoquer le terme d'abandon de partie civile, de sacrifice de partie civile, etc., etc. J'ai expliqué hier, en fondant mon argumentation sur la loi qui s'applique ici, au CETC, que toutes les parties civiles participaient collectivement, sans qu'une seule puisse être exclue, à tous les procès qui auront lieu devant cette Chambre. Je n'ai pas inventé, ça n'est pas ridicule, c'est simplement la loi qui s'applique au CETC, ce sont les articles de loi. Je n'ai pas entendu d'ailleurs aujourd'hui le moindre argument juridique qui s'opposerait à ce que j'ai développé hier à ce sujet. Et je demande bien sûr à la Chambre de prendre en considération cette argumentation qui s'applique à la participation des parties civiles et qui s'applique aussi aux réparations et à leur attribution. Je voudrais enfin ajouter un mot parce que j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de confusion qui s'est installée sur le petit procès, mini-procès, seul petit procès, divers procès, un grand procès qui vont avoir lieu. Et en ce qui me concerne déjà, je réprouve totalement l'utilisation de ce terme mini-procès, largement reprise par la presse et que je trouve évidemment très regrettable. Mais je voudrais surtout dire que la disjonction ne permet pas à la Chambre de mettre un terme aux faits et aux chefs d'accusation. C'est complètement impossible. Juridiquement parlant, dans un système de droit romano-germanique, la Chambre est saisie des faits dans leur intégralité. Elle ne peut pas décider qu'il y aura un seul procès. C'est tout simplement juridiquement impossible. On peut d'un côté mesurer les risques que nous connaissons tous, que je ne vais pas répéter, qui sont qu'il pourrait, dans la réalité, n'y avoir qu'un seul procès. Mais c'est complètement différent de ce que la Chambre peut faire, et plus encore les procureurs dans notre système. Ni la Chambre, ni les procureurs aujourd'hui ne peuvent dire qu'il n'y aura qu'un seul procès. La seule chose que peut faire la Chambre, c'est une disjonction. Et en prononçant cette disjonction, la Chambre ne met pas de côté des chefs d'accusation, elle n'écarte pas des chefs d'accusation, elle choisit des faits, ou elle choisit des personnes d'ailleurs, puisque ça a été suggéré. Elle n'écarte pas les qualifications juridiques, elle juge ces faits d'abord, ou ces personnes d'abord, et ensuite, elle est obligée, légalement obligée, de juger la suite, sauf si, bien sûr, un élément extérieur l'en empêche, ce qui, pour le moment, n'est pas le cas. Donc cette disjonction, elle peut être faite. On ne peut pas parler d'un seul procès. On est obligé de dire un premier procès, puis d'autres procès. On peut, parce que nous connaissons les risques, envisager cette disjonction, plutôt la Chambre peut envisager cette disjonction en faisant un premier procès représentatif pour le cas où les risques s'avéreraient réalisés par la suite, mais néanmoins, dans le même temps, et nous l'avons déjà dit hier, la Chambre doit donner un agenda, un calendrier, vous l'appellerez comme vous voudrez, avec un ton méprisant ou pas,
la Chambre doit donner un agenda des procès suivants. Elle est tenue par l'ordonnance de clôture. Elle ne peut pas prendre l'initiative de faire autrement actuellement dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc ce que nous demandons, nous, c'est très clair, c'est une disjonction avec un premier procès représentatif. Nous souhaiterions qu'il ne soit plus parlé de petit procès, de seul procès, etc. Nous demandons que la Chambre envisage un agenda des prochains procès. Et nous demandons à la Chambre de garder dans sa disjonction, sans les écarter, toutes les qualifications juridiques, parce que la disjonction ne permet pas d'écarter les qualifications juridiques. Je rappelle d'ailleurs que la disjonction en droit romano-germanique est une mesure de mise en état et que normalement, elle n'est pas applicable. Donc, ça n'est pas évidemment pas possible d'écarter des qualifications juridiques dans une décision de cette sorte. Voilà les points que je souhaitais développer en réponse à la défense. President. Le président. Now I hand over to the defense team to reply to the co-prosecutor or the civil party lawyers. We may start with the defense team for Mr. Nguyen-Chia first, if you have any last reply to these issues. Avez-vous une réponse? Counsel, please be reminded to be brief your reply. Thank you, Mr. President, Your Honor. Merci, I am mindful of the time. Je vois bien l'horloge. But maybe I need 10 minutes to reply. If that is not good for you, maybe we can do it tomorrow. But I'll give it a start. Mais laissez-moi commencer. I think there's an old Spanish proverb that says a wise man changes his mind, a fool never will. Que le sage changera d'idée alors que l'idiot ne change jamais d'idée. But the thing is, I don't think the Nguyen-Chia defense team did really change its mind. Et je ne pense pas que les équipes de défense aient changé d'idée. About the decision of the original severance were indeed applauded by my predecessors. Arguments qui avaient été présentés après la dernière audience de disjonction, if I'm correct, October 2011. Avaient été faites par mes prédécesseurs, si je ne m'abuse, en octobre 2011, et now, ce, avant le début du procès. When the trial was on its way, it was our client himself who said, alors que le procès était amorcé, at one of the first trial days, 22nd of November 2011, donc au début des audiences, that, and I quote, il a dit, je from cite, the transcript, la transcription, I am of the opinion that this court is unfair to me, je pense que ce since the beginning, est injuste, because only certain facts moi, are to be adjudicated by début, this court. Car seulement certains faits, I must say, jugés. Only the body of the crocodile is to be discussed, que l'on discutera que du not its corps head du crocodile, or the tails, tête, which are the important parts of his daily activities. Les parties les plus importantes de ses activités quotidiennes. So it was my client who was criticizing the way c'était he felt restrained already in the first days of the trial. And that has been his position ever since. He felt curtailed, and that was the thing that we were trying brimé, to say this morning. Ce que nous essayons de dire ce matin. So I beg to differ that we are not the mother of flip-flops. Je suis donc, as a matter of fact, I think the grandfathers of flip-flops are sitting opposite of donc, me. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du tout le comble because du revirement. Were the ones who drafted plutôt, ce sont eux qui ont fait volte-face, et c'est après tout eux qui avaient rédigé le réquisitoire instructif sur la base duquel l'ordonnance de clôture a été préparée. Who thought it wise, ce sont eux in 2006, 2007, qui ont pensé qu'il était sage en 2006 et 2007 de mettre au banc des accusés le Kampuchea démocratique came from the original pen from these grandfathers, de clôture, grandfathers of the flip-flop. And now, I'm saying that now, de la plume de they ces, want to reduce this trial de l'accusation, qui sont les grands-parents to the forced transfer NS21. À présent, ils souhaitent so, ajouter who is changing his mind here? S21. Et autre site, alors, qui change son fusil d'espoir? The other thing I would like to say in rejoinder of
what my learned friends have said is the things that I have said earlier about genocide. And the fact that it is really deeply the wish of my client to be able to defend himself of these charges that he finds himself innocent of. Now next week, as I understood, it's a recess week. I'm going back to my country where I will listen to a judgment in a case dans mon in respect of the Rwanda genocide. J'entendrai le juge prononcer du now, time and time again in cases in respect Rwanda, of what happened in 1994 in Rwanda, genocide is always cited as the crime of all crimes, the most important thing, the most grave accusation that someone can be made. On évoque toujours le génocide comme étant le crime des crimes et la pire chose qui puisse être commise. The civil parties in respect of this serious accusation. Mais je n'ai rien entendu de la bouche des parties civiles sur le sujet de cette accusation accurate. I mean, just read the closing order to say et that S21 il n'est pas juste, il est inexact à la lecture de l'ordonnance de clôture de dire que S21 est représentatif de l'ensemble de l'ordonnance de clôture. The civil parties might argue that the victims there, the alleged victims, come from all walks of life, but obviously that is not the case. For instance, I just give one example because of time. Toutes les couches no de la société cambodgienne, mais ce n'est pas to vrai. My knowledge, have ever à been ma connaissance, aucun chat n'a été exécuté à S21. Mr. President, I will finish because we don't have time. The one thing ici, that I do have a problem with is the fact that we are now being accused un problème avec le fait que nous accuse, l'accusation nous accuse causing chaos and delay as much as possible. Prendre des mesures dilatoires, jeter la confusion et le chaos, et ce n'est pas le cas. Nous demandons have our client à la tried Chambre in such a way that he can say all the things that he really wants to say. Que le procès ait lieu de sorte qu'il puisse dire ce qu'il a à dire. Might be caused by having one big trial, I could say the following. Et quant au retard potentiel encouru par un grand procès, at 4 o'clock, j'aimerais dire la chose suivante. Three people who do not go home. À la pause, lorsque l'on lève l'audience à 16h, il n'y a que they are the ones trois personnes trial. Qui ne rentrent they pas à la maison, il n'y a que trois personnes qui rentrent au centre de détention. Ce sont eux qui attendent un procès, ce sont eux qui sont les plus touchés par le prolongement des audiences. Je vous remercie. The President, thank you. Le président. Now the defense team for Mr. Inksari, you have the floor to reply to the responses by the co-prosecutors and the legal lawyers for the civil parties. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honors, and good afternoon to everyone in and around the courtroom. I'll try to be brief. I'll cover the major points. First, misrepresentation by the prosecution that we all agree on one trial. We agree that we should have the entire trial, the one trial on case 002. We do not agree that you should have a trial that is merely representative of a sampling of the closing order. We were clear on that. And from what I hear from the prosecution, although later they want to cover themselves, what they're saying is there's only going to be one trial. And then later on, when they talk about the interest of justice and how it was defined by the Supreme Court in this case, is it in the interest of justice for you to dismiss the rest? Que vous is it in the interest of justice? Est-il dans l'intérêt de la justice? If you're going to take one year or so in rendering your decision, de passer your un judgment, an à préparer le to then say, okay, let's see who's sitting around, and we've heard that perhaps it may only be Kyo Sampan. Now let's put him through the meat grinder of a trial process once again. Is it in the interest of justice? Est-il dans l'intérêt de la justice? And is it consistent with the principle of having a fair and expeditious trial? Is that an expeditious trial? The answer is no. Rapide et équitable. The prosecution accuses us of changing our position. I won't go into flip-flopping because it may not translate very well, but essentially they're saying that we changed our position.
traduction pour un. That is a mischaracterization. Because if you look at, c'est déformer nos propos. At what I've, or what we filed in E124/3, which was Inkstri's conditional support le soutien to the co-prosecutor's notice of request for reconsideration, and then our subsequent filing, which is E124/6, which is our response to their request, we were very consistent. Dans ces documents, nous we agreed to the approach taken by the trial chamber. Que la chambre de première instance we retenue. Disagreed. And we, in fact, if you read our et submissions, Your Honors, you don't even have to go beyond the first paragraph. Écritures. Because in the c'est opening paragraph, I set out the reasons why we are compelled to respond and why we submit the prosecution's motion for reconsideration in severing case 002 in the manner in which they proposed was wrong-headed. And we maintain that position. We maintain that their interpretation of rule 97 is erroneous. Now, we've heard from the Supreme Court. I disagree vastly with their interpretation of using rule 73 bis D, which is doing away with counts as a means of interpreting sur les chefs d'accusation comme rule 89 façon, comme une, comme étant une base pour in l'interprétation the ECC, de la règle 89, which deals with severance, le règlement des CETC, but be that as it may, cela étant dit, we submit that you must try the entire case. And now that we've heard from the Supremes, engager and now sur la totalité du that dossier, we have seen the options that are available, nous avons tous lu la décision, I won't put enfin, it, I won't quote a Spanish Supreme saying, but in the U.S. we say, when circumstances change, so should one's opinion. Quand les circonstances or at least they should peuvent, consider. Peut changer and votre so opinion. We donc, have considered it. And nous we are entitled, we are entitled to change Supreme, our opinions et when circumstances change. I thought I had it right. Selon la circonstance. Je but croyais I'm told differently from the Supremes. They're telling us de that we're in this adversarial setting a la ICTY. Hence the position that we're taking. Un peu comme au TPY, the prosecution nous avons adopté says la position we are causing chaos and delay. L'accusation nous a chaos de and delay. De semer well, le chaos. Let me remind the prosecutor. They had Stephen Heder working for them in drafting the introductory cela. Submission. Heder, and then they embedded him, or he embedded himself, into the OCIJ and essentially confirmed what he had already written. Il est allé travailler pour les co-juges d'instruction to investigate him, what he was already putting into the introductory submission. Ce qu'il avait and not only dans that, it was the OCIJ that asked for supplementary submissions, or they asked for supplementary submissions, and of course were granted. So who has caused chaos and delay? We have been, we are not setting anything at your footstep. We were presented with this situation. The trial chamber moved. We supported the trial chamber's position. La chambre de première instance a agi. I am shocked. Nous avons appuyé sa position. Et to hear the prosecution this afternoon stand up and wax eloquently on the decision, your decision, on the rejecting their motion for reconsideration. De parler si and I'm wondering why on earth did they appeal? It seems plutôt, that all the answers were in there. Cas? Which also shows you that you did, in fact, issue a reasoned decision. Because we just heard it. They embraced it. Nous l'avons they entendu. Use it. Ils ont accepté cela and ou so ils l'ont we utilisé. Have not created a nightmare scenario. Nous pas créé un scénario we're responding. And where there's action, nous y réagissons. There's reaction. Qui dit action, dit réaction. Now, more or less, I've covered what I needed to j'ai cover, Your moins Honors. Ce que je voulais. Only, the only point I wish to make is as follows. Voici ce que j'entends you simply dire. Cannot park the remainder on ne peut of, pas mettre de the, côté of the closing le reste order de l'ordonnance de clôture, as is being suggested. Comme cela est and proposé. They say quite
interestingly, well, you have not been ordered. Dit, et c'est intéressant, well, you don't need to bien, be ordered by pas reçu d'ordre, the Supreme Court pas chamber. Besoin de recevoir un ordre de it la is Cour within suprême. Your duty, especially since you've been lectured by the Supreme Court faire, with option number one, de la Cour and vous a before that in the entire decision why you haven't provided et ensuite, dans toute la a plan, pour but we would submit that projet, it is implicit, nous, it is in, it, an implicit obligation il y a une of the trial chamber implicite based on the Supreme Court's order sur la base ordering you to come up with a plan that if indeed there are going projet. To be more trials pour que dans after the mini trial procès, that is being suggested by the prosecution, par l'accusation, then you still are compelled to have a plan. And as day follows night, if there is no plan, but merely here jour, it is, suit la nuit, we'll see what happens later on. I can assure you, I can assure your honors, that the Inksari team will certainly be filing an appeal. Now, I don't know what the Supreme Court chamber will do, and it will be interesting to see whether indeed they will change their position to conveniently fit whatever decision they have in mind. But we submit that if you decide not to try the entire case of 002 as reflected 002, in the closing order, that you have to come up with a plan. And you can't say, we'll figure it out 1 year vous after the close of the evidence when we reach the judgment. Un an après y'all, de la just preuve, ou au moment don't du worry, be happy where on you ne are. Peut pas dire, ne vous inquiétez pas, you have to do that, it's implicit. De la situation. And with that, non, Your Honor, I want to thank you very, very much for allowing us to make these submissions. And we certainly hope we have been helpful. Nous espérons que cela aura apporté une contribution. The President. Thank you, counsel, for merci. The Mr. For Mr. Kyu Sampon, you may proceed. La parole à la défense de Kyu Sampon. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Pour ma part, ce que je voudrais préciser, je ne sais pas si cela relève d'une mauvaise compréhension sure de notre position ou de la mauvaise foi. C'est que notre position consiste à soutenir que les critiques et les prescriptions, les conseils qui sont donnés par la Cour suprême pour le cas où vous choisiriez la première option sont valables en ce qui nous concerne également pour la deuxième option. C'est-à-dire que what this means vous ne pouvez pas is that aujourd'hui décider qu'il est possible de s'abstenir de fixer clairement à M. Kyu Sampon la manière dont il sera jugé et sur quoi il sera jugé considérant qu'il est en mauvaise santé et qu'il va mourir alors que ça n'est pas le cas. Et là où je critique la décision de la Cour suprême, c'est qu'effectivement, et de l'autre côté de la barre, on tente d'en profiter, on pourrait analyser les articles 50 et 51, les paragraphes 50 et 51 de sa décision et mes adversaires n'ont pas manqué de le faire, comme signifiant, bon, soit vous décidez de juger en plusieurs procès, et à ce moment-là, il va falloir répondre à de très nombreuses questions, et pas seulement un calendrier, c'est pas seulement un calendrier que prescrit la Cour suprême, elle prescrit beaucoup plus que ça, elle parle d'élaborer un projet concret prévoyant le jugement de la totalité, et puis dans le paragraphe 51, elle va jusqu'à évoquer des points très précis que la Chambre devra, dont la Chambre devra tenir compte en disant est-ce qu'il faudrait créer un panel supplémentaire de juges, car il pourrait y avoir des questions de parti pris réel ou apparent. Enfin, je ne vais pas vous relire cette décision, mais pour ce qui concerne l'option 1,
elle prescrit un certain nombre de choses. Et ce que nous disons, nous, c'est que pour ce qui concerne M. Kyo Sampan, eh bien, ces prescriptions de la Cour suprême, elles sont valables dans tous les cas. Que vous décidiez de l'option 1 ou que vous décidiez de ne juger dans un premier temps qu'au moyen d'un procès dont on vous demande qu'il soit plus représentatif, parce que M. Kyo Sampan survivra à ce procès, et que pour ce qui le concerne, en tout cas, eh bien, il sera, et vous nous l'avez dit, et les procureurs et les parties civiles nous l'ont dit, il sera jugé pour le reste de l'ordonnance de clôture. À partir de là, il me semble, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de faux choix, d'alternatives fictives, il me semble qu'en réalité, il doit découler très clairement de cette décision de la Cour suprême qu'en ce qui concerne M. Kyo Sampan, eh bien, tous ces problèmes-là doivent être évoqués. Et c'est aussi pour cette raison-là que nous avons dit et que nous n'avons pas prétendu, comme l'a résumé la partie civile, que ni la disjonction ni le jugement total ne seraient une bonne solution. Nous ne sommes pas en train de chercher une bonne solution. Nous sommes la défense de M. Kyo Sampan. Et vous nous avez demandé, c'est la question 9, quel était le préjudice que nous subissions. Nous ne parlons pas de solution, nous parlons de préjudice. Et nous disons que, quel que soit we are l'option, subjected to, and regardless of the choice, une, that tout juger d'un seul embrace, coup, that is, to go with tout juger d'un seul coup, mais en plusieurs petits try procès, the entire ou option case deux, file, or faire un procès plus représentatif. Option, which is to try successive, nous avons subi cases, un préjudice du fait que ce procès a commencé depuis un an et demi, et que depuis un an et demi, nous ne savons pas comment nous allons être jugés, et nous avons subi des pressions extrêmement fortes, et j'en ai donné quelques exemples, pour accélérer une procédure de manière très rigoureuse, en nous limitant dans les pages, etc., en nous interdisant de poser des questions, en nous coupant le micro et autres détails sur lesquels je ne reviens pas, et que nous subissons de ce fait un préjudice. Et il me semble que la décision de la Cour suprême est très claire sur ce point. Il y a un préjudice, et ce préjudice, il ne peut pas être réservé au procureur. Donc, j'espère qu'avec cette petite mise au point, mes confrères auront compris quelle est la position de M. Kyo Sampan. Elle me semble très claire. Alors, juste pour terminer, justement, quand nos adversaires nous disent on pourrait attendre le résultat du premier procès représentatif pour dire à Kyo Sampan comment on va le juger ensuite, bien, nous refusons cette possibilité. Nous disons que cela continuerait à violer les droits fondamentaux de M. Kyo Sampan et perpétuerait le préjudice qui est le nôtre. Enfin, pour terminer, on vient de nous reprocher de n'être pas logique parce que nous demandions du temps pour répondre sur S21. J'indique juste à mon confrère que, en matière de temps, je pense avoir été très raisonnable. Lorsque j'ai évoqué ce point, j'ai indiqué que nous allions informer la Chambre dans la durée de son délibéré. Donc, franchement, je crois que la critique est quand même assez mal placée. En demandant que soient écartés les témoins de personnalité, et je crois que là, franchement, vous nous avez pris pour des poulets à plumer. Nous sommes en défense et nous n'allons pas, sous prétexte que vous voulez absolument obtenir une condamnation en urgence, accepter de laisser M. Kyo Sampan se faire lyncher sous prétexte de célérité et de pression diverses. Donc notre position, elle est très claire, et d'ailleurs la Chambre l'a entendue, puis elle semble logique sur ce point.
And I think voilà les clarifications que je souhaitais apporter, Monsieur le Président. Your Honours, those were the clarifications I sought to put before you. Thank you very much. The President. Thank you. Thank you for the various views Merci from parties concerning the question raised by the Chamber. The time is now appropriate for the adjournment. The Chamber will adjourn now and will resume tomorrow, starting from 9 o'clock demain in the morning. Matin à 9 heures. Okay. The chambers advise the party to respond to the various questions raised by the chamber as indicated in memorandum dated the 19th of February 2013, document E-264. So the chamber advises the party that they are well prepared in response to the question so that the proceedings tomorrow will be smooth and you respond to the question appropriately. Vous êtes prié, je le répète, de répondre à ces questions demain. The chamber wishes to advise the support staff as well as members of the public of the upcoming hearing. Security guards are now instructed to bring the co-accused back to the detention facility and have them back to the courtroom before 9 in the morning. Mr. Yingsari is to remain in the holding cell downstairs where audiovisual equipment is there to connect him to the proceeding upstairs. The court is now adjourned. L'audience est levée.